Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me refaire la traque sauvage. Alors, c'est pas le nom pour moi d'origine, hein, parce que moi, quand je l'avais vu en VHS à l'époque, il s'appelait pas la traque sauvage. Je pense que le nom a dû être remis pour donner un peu plus de puissance, je veux dire. Parce que moi, quand je l'avais vu, c'était L'Adieu au Roi. C'était un film qui m'avait marqué avec Nick Nolte, sur une sorte de guerre sur une île. Avec des Japonais, c'est tout ce que je me souviens. Je sais que c'était pas mal foutu. C'est un film que j'ai vu pareil dans les années 90. Donc ça date. Je me rappelle plus trop. Donc on va relire un peu le synopsis. En 1945, un avion anglais parachute le capitaine Nigel et le sergent Tanga. C'est bizarre ça. Nigel et le sergent Tanga sont radio dans la jungle de Bornéo. Sont radio dans la jungle. Ça va rien dire du tout. Hein. Alors, des fois, les trucs qui sont écrits. Leur mission, obtenir l'aide des tribus indigènes afin de rejeter l'occupant japonais. Encerclés par de chasseurs d'armes et lances de sarbacane, les deux officiers sont faits prisonniers et conduits jusqu'au village de leur chef. Alors, grand étonnement, il s'agit d'un homme blanc. Il est américain, il s'appelle Laroyl. Et il est devenu le roi de Banco. Une extraordinaire odyssée, mais aussi et surtout une belle histoire de liberté et d'amitié. Donc, film de mémoire de John Milius, c'est ça, hein, John Milius, hein, donc John Milius, Conan le Barbare, hein, chef-d'œuvre absolu pour moi. Donc, on va se refaire ce petit La Traque Sauvage, L'Adieu au Roi, et on va voir si c'est toujours aussi bon ou mes souvenirs sont faussés. C'est parti! A few moments later. Alors, je viens de me finir La Traque Sauvage, L'Adieu au Roi. Donc, film toujours très agréable à voir, hein. Film qui est plutôt axé en deux étapes. La première étape, où on découvre un peu l'histoire de joué par Nick Knowles, là, comment il arrive sur l'île, comment il devient entre guillemets le roi. Puis après, il y a toute une partie un peu plus calme, où les jours heureux sur l'île, tout se passe bien et tout. Et puis le film est scindé en une autre partie, qui devient un peu plus sanglante, un peu plus massacre, un peu plus l'horreur de la guerre, en fait. Et après, ça part un peu en cacahuète. C'est un film vraiment intéressant parce que Nick Nolte n'a pas fait beaucoup de bons films. Hein. Il a quand même fait Si, Les Nerfs à Vif, je crois, de mémoire. Il a fait quoi d'autre? Il a fait 48 heures, 40 heures de plus. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait certains films, si, il a fait comme certains films intéressants. Mais c'est vrai que celui-là sortait un peu du lot pour moi parce qu'il joue un rôle assez sympa et c'est vraiment bien bien fait. Et c'est toute une histoire qui s'entremêle entre l'amitié, l'amour, l'honneur, la bravoure, la vengeance. Non, il y a vraiment un peu de tout dans ce film, et c'est un film qui vaut vraiment le détour. Et je ne l'avais pas vu depuis pas mal d'années, j'ai pris un très grand plaisir à le revoir, et ce film est toujours aussi bon. Hein. Donc, si vous deviez voir un film de Nick Nolte en 2022... Bah, je pense que ce film-là, La Traque Sauvage, L'Adieu au Roi, vaut le détour. Pour moi, il vaut le détour. Hein. C'est un film qui se regarde très bien. Il a pas mal vieilli parce que les scènes de combat sont pas trop... Des fois, on voit dans certains films, les scènes de combat, quand les mecs ils tirent, le faux sang, où les mecs sont là, oh, et ils meurent d'un coup. C'est vrai que des fois, c'est certains vieux films, c'est un peu ridicule. Là, non, pas du tout. Là, malgré que ce film soit... Je sais pas, il date des années 70, je crois, ce film. Hein. C'est pas un film récent. Hein. J'ai pas la date exacte là-dessus. Je sais pas exactement, je le mettrai là, hein. De toute façon je le mettrai dans le titre de la vidéo. Mais c'est pas un film, moi je dirais qu'il date des débuts des années 80. Hein. Ouais, il doit pas être beaucoup beaucoup plus vieux, hein. Si ce n'est pas les années 70, je sais pas du tout. Enfin bref, c'est un très bon film, à voir absolument. Par contre le seul bémol c'est que cette version DVD est dégueulasse. On a l'impression de voir une vieille VHS, ça c'est vraiment dommage. Déjà qu'elle n'est pas évidente à trouver en DVD, je crois qu'elle a été remasterisée en DVD un peu plus récent, mais je crois que la qualité est toujours dégueulasse. Et le problème, c'est que ce genre de film, comme c'est très peu connu, c'est pas réédité chez nous en Blu-ray. C'est réédité aux États-Unis ou en Allemagne, ou je sais pas où, il réédite toujours dans les pays, sauf la France, des fois on se pose des questions. Des fois, il y a des rééditions de ouf dans les autres pays, mais pas chez nous. Et donc, La Traque Sauvage, j'ai regardé là sur Internet avant de faire la vidéo, il n'est pas réédité en Blu-ray. C'est bien dommage, c'est un film qui mériterait d'être réédité par rapport à d'autres trucs qui sont réédités et qui sont pas terribles. Hein. Donc oui, La Traque Sauvage, L'Adieu au Roi, je vous le conseille si vous aimez les films un peu de guerre, un peu d'amitié, un peu de vengeance et d'honneur, et ça vaut le détour. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!